Jean-Bernard, une belle victoire aujourd'hui. Sylvine Almory, une victoire pas si facile que ça finalement. Écoutez, on n'a pas été très vite et c'est plus une pouliche qui aime avoir du rythme pour venir sur des chevaux. Là, je suis un petit peu forcé de prendre la tête un peu prématurément. Donc elle fait le job parce qu'elle est qualiteuse et qu'elle est courageuse, mais elle préfère plus venir sur des chevaux. Elle aurait eu sûrement de plus belles foulées. Maintenant, c'était quand même que sa deuxième course de l'année. Elle avait gagné un lot, on va dire somme toute, un peu moyen à Newbury. Là, aujourd'hui, elle a rencontré quand même une autre classe de chevaux. Donc il a fallu se donner un petit peu plus. Elle va sûrement progresser là-dessus. Contrat rempli, en tout cas. Contrat rempli. Je vous avoue que je partais confiant. Maintenant, une course n'est jamais gagnée d'avance. Et voilà. Je me souviens que vous m'aviez parlé d'elle dans les moments dramatiques, puisque vous aviez eu Jean-François au téléphone alors qu'il était hospitalisé. Ouais, c'est une des dernières belles victoires du vivant de Jean-François. Et on fondait beaucoup d'espoir sur elle. Et chaque fois que je passe le poteau, et c'est une émotion parce que chaque fois j'ai Jean-François qui forcément dans la tête. Donc forcément. Voilà, quoi, je suis désolé. Ouais, désolé du souvenir. Ouais. Un petit peu, on va passer dans le présent, la joie de remonter à Almanzor. Oui, alors je suis très très ravi. On passe des larmes au sourire, on va dire. Parce qu'Almanzor, c'est un cheval de cœur, parce que c'est le jockey club, parce que c'est un crack. Donc, je suis très très content de me retrouver encore associé à mon champion, entre guillemets. Avec une vraie grande course, une opposition sérieuse. Bah, je vous le dis très honnêtement, c'est un groupe 2 maquillé en groupe 1. C'est un très très beau lot et je pense qu'on va avoir droit à un très beau spectacle. Voilà, j'espère juste que tout se passera bien. On compte sur vous en tout cas. Je vais faire au mieux, oui. Et un dernier petit mot avec Picking Up Pieces qui va pouvoir quinter à Châteaubriand. Là, on change de catégorie, mais c'est un cheval quand même qui fait. C'est un cheval qui fait quasiment toutes ses courses. Il n'est pas spécialement à l'aise lors des périodes un peu chaudes, on va dire. Mais c'est un cheval qui est généreux et bon, on est chargé, on a 61 kilos. Apparemment, sur ce parcours-là, on n'a pas le meilleur des numéros de corde, mais le cheval est courageux. Merci beaucoup. Merci.